Et salut tout le monde, c'est Fmika, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de Crusader Kings 2, A Game of Thrones. Du coup on s'était quitté après une brève présentation. En fait j'ai pas vraiment commencé la partie, on avait juste une présentation de la partie. Et il faut savoir que je tourne cette partie juste après l'autre, du coup je sais pas du tout les retours de la vidéo. Si ça a pas plu, ça fait un bide monumental. Si ça se trouve cette vidéo ne verra jamais le jour. Bref. Et du coup on était Jon Snow devenu John Stark, Lord John de Lenor. On est marié à la Lady Val, qui est une princesse sauvageonne. Et on prend part à la guerre avec Stannis pour récupérer le Nord, en espérant qu'il gagne la guerre. Et qu'il arrive à récupérer le Nord pour nous, et qu'on devienne ainsi le seigneur de Winterfell. Et que les Stark reprennent le Nord. Donc là, en fait, du coup, il n'y a rien à faire, hein. Concrètement, il n'y a rien à faire du tout. On va faire ça au pif, hein. Enfin, c'est pas vraiment au pif, hein. Tous les premiers de la liste, à chaque fois, c'est les meilleurs dans leur domaine. Donc c'est pas vraiment du pif. Vous avez juste à faire ça. Et vous aurez les meilleurs à chaque fois dans leur domaine. Donc on va faire ça rapidement. De toute façon, ça changera. Si j'ai le nord, ça changera ça. Le maître, je crois qu'il est... C'est la citadelle qui le présente. Ah, attendez, il y a quelque chose. Ça, c'est des petits trucs qui arrivent des fois. Alors, Stannis qui veut que je sois... Il veut que je sois juste ici. Voilà, si ça veut te faire plaisir. Du coup, je vais dans son conseil restreint. Enfin, je vais dans son conseil à lui. Le justicier, c'est... Ouais, ah, il faut de la diplomatie pour être justicier. J'en ai 15, ouais, d'accord. Ça me donne un peu de prestige, ça, après, donc... c'est le genre de... C'est des petits boulots, en gros, pour les... votre seigneur qui vous rapporte des prestiges. De l'argent aussi, un petit salaire, bon, ça... Parce que là, on voit le prestige, j'ai un prestige super bas. Et pourquoi? Parce que j'ai déserté la garde de nuit, en fait, j'avais prêté serment, j'ai rompu ce serment. Du coup, le prestige, il va falloir tout refaire. J'ai un prestige vraiment dégueulasse. Mais bon, c'est... Oh là, c'était la guerre contre qui, ça? L'armée de Loto. Je sais pas qui c'est, Loto. Contre qui ils sont en guerre, le trône de fer? À part... Ils sont en guerre contre Stannis. Les conflans aussi qui ont pris part à la guerre avec Stannis. Ça, c'est un petit lord. Ah, et le roi du ciel et de Rock, donc c'est les Greyjoy. Ah, ils sont en train d'envahir. Et les Greyjoy, ils ont réussi, à mine de rien, ils ont réussi à devenir indépendants, les mecs. Les îles de fer, ils sont indépendants sans pression. Oh, lui, je sais pas qui c'est. C'est qui par rapport à notre ami, là? Celui qu'on connaît. Putain, je me souviens plus de son nom, c'est terrible. Athéon. C'est qui par rapport à Athéon Greyjoy, lui? Je vois pas du tout. Ah, voilà, Balon Greyjoy. Ok, donc c'est l'oncle. C'est l'oncle de Théon. Il me semble, hein. Voilà, Prince Théon l'exilé. Il est où, lui? Prince Aemon. Ah, il est au mur. Il a été envoyé au mur? Ah ouais, il est au mur, Théon Greyjoy. Frère noir. Et le eunuque. Ah ouais, il s'est fait couper le machin par Ramsay Bolton. Et du coup, ouais, il est au mur, le mec. Il s'est fait dégager. Ah, je suis devenu justicier, ça on l'a vu. Est-ce qu'il est en train de faire un truc avec la guerre, là? Ouais, il est en train de prendre des territoires. Donc, pour gagner une guerre, il y a plusieurs façons, comme on l'a vu. Il y a une façon qui consiste à rester sur le territoire, ici, on peut le voir, là. Tu restes sur le territoire et tu pilles, en fait. Là, voilà, il y a les défenseurs, les attaquants. Si on a plus d'attaquants que de défenseurs, la barre va descendre ici. Dès qu'elle arrive en bas, on a conquis le château. On doit le faire pour toutes les propriétés du comté. Et après, le comté, il est conquis et ça nous donne des scores de guerre. Donc on peut gagner comme ça en accumulant les scores de guerre. Ou alors, c'est le truc qu'on fait, ça c'est en général le truc qui marche bien quand on n'est pas sûr de gagner du tout. C'est que vous prenez une énorme armée et vous allez à la capitale. Du coup là par exemple on est contre le trône de fer. On prend une énorme armée, on va au trône de fer, on va à King's Landing. Donc King's Landing c'est Port-Réal. On va à Port-Réal et on essaye de prendre Port-Réal le plus rapidement possible avant que toute leur armée nous déboule dessus. Et avec un peu de chance on peut capturer Tommen, on peut capturer le seigneur. L'empereur, on peut dire le roi du trône de fer, on peut le capturer, capturer sa famille et tout. Et dans ce cas-là, le score de guerre passe immédiatement à 80, 90 ou 100. Et ça nous fait gagner la guerre comme ça. Là, on voit ici que la guerre de Stannis pour le Nord, 70%. Ouais, il a du monde avec lui. Hein. Le Nord est bientôt à nous. Ok, 100... ouais, 70%. Le Nord va bientôt être à nous, je pense. Et dès que le Nord est à nous, première chose à faire, c'est la première chose que je vais faire en tout cas, c'est tuer. Je pense que je vais tuer Roose Bolton et son fils.
pour avoir trahi, pour nous avoir trahi. Votre demi-sœur. Il pense vraiment que c'est Arya en fait. Ah non, mais pourquoi Arya elle est là? Ah, Sansa elle a été retrouvée? Où elle est? Ah, elle s'est mariée! Ah putain! Littlefinger il a marié quoi. Il s'est marié avec. Elle a 13 ans. Il en a 34. Ça pose aucun problème. Ah, mais Sansa elle a déjà été mariée à Peter Baelish. Oula, une grande guerre là. Ouais, c'est bon, Stannis il a gagné. Une revendication peut être soulevée. Je peux revendiquer, ça aussi c'est des trucs, attends, je vais mettre pause un peu pour expliquer. Les revendications, c'est quand on a un droit de possession sur un titre, que le titre nous revient en fait, ou qu'il revient à quelqu'un de notre cour. Donc on a un casus belli, on appelle ça. Et là, le casus belli peut être utilisé, hein. Ah, je peux appuyer les revendications de cette personne qui est dans ma cour, c'est un courtisan à moi. C'est mon maître d'armes. C'est-à-dire que si je revendique ça, c'est elle qui va y aller. Et si j'ai un titre supérieur à elle, ça deviendra mon vassal en fait. Bon, là il n'y a aucun intérêt, hein, mais en gros c'est ça. Sauvegarde automatique, ça arrive tous les ans, tous les 1er janvier. Et il faut savoir aussi que ce mode il est super instable. Hein. Parce que c'est un mode, hein, c'est pas un jeu complet donc. La guerre entre sauvageons et. Non, c'est entre sauvageons là. Ah, ça y est, voilà. Lord Suzerain John de Lenor a usurpé le titre Seigneurie de Winterfell. Et on est redevenu. Lord Suzerain John du Nord, John Stark, et on possède le Nord, ça y est. Ok. Donc ça c'est fait. Stannis a gagné sa guerre et m'a fait sire de Winterfell. Voilà, et maintenant on doit l'aider à gagner son, à gagner le trône. Donc là je vais mettre pause pour gérer un peu tout ça. Donc là c'est les petits messages, c'est bon, il a gagné, ça on a tout vu. John Stark, putain ça fait plaisir. Les Stark sont de retour à Winterfell. Hop, ça on va. Enlever l'armée, donc ça a réunifié le nord. Donc tout ça, c'est à nous maintenant. Tout le nord est à nous. Ah, par contre, j'ai pas. Est-ce que j'ai des armées? Ouais, j'ai pas beaucoup d'armées. Vas-y, je vais lui donner 600 personnes ici. Je vais lui rattacher un peu des gens. Est-ce que j'ai de l'armée ici? Allez, on va lui redonner. Ah, je peux pas. D'accord. Parce que je préfère lui donner de l'armée plutôt que la gérer moi-même. Mais là, ce qu'il devrait faire, c'est de rusher ici. Ah, quoique, il a du monde partout. Hein. Il a du monde aussi à Père Dragon là-bas. Il y a des chances qu'il gagne la guerre, faut pas qu'il meure. C'est dans beaucoup de parties, il meurt le mec. Alors là, est-ce que j'ai meilleur? Hop, il a 15. Hop, ça tu le mets direct. Maître d'armes, il a 12. Ouh, il a 20 lui. Hop là, tu y vas. Ma femme, elle est bien ici. 11. Hop. Maître espion, il a 22. Allez hop. Ah, lui c'est. Ouais, le maître. Non, le prêtre, je peux changer ou pas? Non. Et le maître, il faut que je le demande à la citadelle, donc on va faire ça déjà. C'est où déjà? C'est ici. Solliciter un maître à la citadelle, on perd un peu d'argent, mais bon, on en a besoin, hein, j'imagine. Perte de titre de succession, mais ça, j'ai pas de fils, donc ça, c'est normal. Du coup, on va faire direct l'ambition d'avoir un fils. Parce que là, le plus important, c'est de perpétuer la dynastie des Stark. Sinon, les Stark vont s'éteindre et. Enfin, il y a nos frères après qui peuvent peut-être revenir. Mais sinon, il y aura plus de Stark au nord. Alors là, maintenant que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder mes vassaux, c'est important. Hop, vassaux, parce qu'il y en a plein qui m'aiment pas. Ouais, bon déjà lui, Rose Bolton, tu vas disparaître. Hein. Toi, t'es qui? Pourquoi t'es là, toi? Lord John, pourquoi il est enfermé? Ah, il est enfermé par Edwin. Ouais, il est pas enfermé par moi, en fait. D'accord, ouais, donc c'est pas moi qui l'ai dans ça. Il est où, lui? Bon, là je vais tenter un truc. Hein. Améliorer les trucs féodales ici, mais comme il est en prison, je sais pas si ça va marcher. Améliorer les défenses, améliorer le château, superviser une province. Ça c'est bien, ça nous fait gagner un peu. Ça booste un peu l'économie de la province. Former des troupes, ça fait toujours plaisir. Ça fait que nos soldats se régénèrent plus vite. Hop, ok, donc ça c'est bon, le maître va arriver. Les vassaux sont contents de me revoir en fait. Hein. J'ai l'impression. Sauf les Bolton. Mais en général, c'est quoi qui me donne le plus la diplomatie personnelle ouais. Ouais, je pense qu'ils sont contents de me voir. En plus, j'ai un malus de court règne, mais qui va s'améliorer en fonction de mon temps. Les Karl Stark. Ouais, c'est un Karl Stark qui va reprendre si je meurs. Là, si je meurs à 17 ans, par contre, la série, elle est dégueulasse. Hein. Je vous cache pas que là, je vais être déçu. Hop, attendez, je regarde un peu le temps. Ok, c'est 26. J'ai pas envie de faire un truc trop long non plus.
Qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, on va gérer déjà les Cabolton. Donc ma prison. Normalement, je peux les tuer sans représailles. Vu qu'ils nous ont menace. Tu te calmes. Hein. Vu qu'ils nous ont ils nous ont trahis, je peux les exécuter. Ramsey, il a une opinion positive de moi? Ah bon? Ah mais j'ai pas envie de le laisser vivant. Normalement, je peux l'exécuter, voilà. Vous avez une bonne raison, alors personne ne s'en souciera. Donc ça, c'est fait. C'est fait et c'est moi qui exécute la sentence. Hop, et toi c'est pareil mon gars. Hop, et c'est moi qui exécute la sentence. Voilà. Plus de Bolton. Plus de Bolton, par contre maintenant on va avoir un souci avec celui qui a repris sa place. Ah non, c'est moi qui garde. Ah du coup c'est moi qui ai pris Fort Terreur. Ah d'accord. Donc là on va. Attendez, là on risque d'avoir des problèmes. On risque d'avoir les Whitefield, salaud. On risque d'avoir des problèmes. Parce que ça, c'est pas un titre qui doit me revenir de droit. Du coup, on va avoir des revendications, il va y avoir des guerres pour ça. La seigneur, ça, c'est pas à moi non plus. C'est pas à moi que ça doit revenir. Ah, putain, là, c'est la crise, là. Attendez. Il faut que je redistribue tout. La grande seigneurie de Winterfell, c'est moi. Seigneurie de Winterfell, c'est moi. Fort Terreur. Il n'y a pas de prétendant? Grande seigneurie de Fort Terreur. Ils sont où les prétendants? Il n'y a pas de prétendants. J'attends, attendez. Attendez, 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 attendez. Attendez, c'est la crise là. Bon, au pire, je peux le garder, hein, mais bon. Parce que normalement, je dois avoir ce territoire là. Toi là. Toi, normalement, t'es à moi. C'est pas ton territoire, normalement, c'est le mien. Si je t'annule le cheat, ça fait quoi? Ah ouais, ça va me foutre dans la merde, non. Normalement, mode Kaelin, ça doit toujours être un Stark qu'il a, vu que c'est l'entrée du nord en fait. Parce que là, il y a des montagnes, on peut rentrer que dans le nord que par ici, donc c'est toujours un Stark qui tient cette. Le mode Kaelin qui tient ce château. Attendez, qu'est-ce qu'on va faire là? Putain, je suis perdu. Je suis perdu, je suis perdu. Qu'est-ce que je voulais regarder? Oui, l'histoire. L'histoire de Fort Terreur. L'histoire. Qui c'est? Ah ouais, c'est J'ai tué Roose Bolton, donc c'est Ramsay qui a récupéré. Ramsay, je l'ai tué, il avait pas de descendant. C'est ça? Ah, tout le monde était mort en fait. Ah, il n'y a plus aucun Bolton. Ça, c'est cool. Bon, on va le garder pour l'instant. Je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes, donc on va le garder. Voyons voir l'armée qu'on a. Ah, ouais. 22 000 personnes. Ah, ici, là, j'ai 5 000. Je peux pas les joindre. Merde. Ah, 13 000, ça fait beaucoup quand même. Je lui ai filé 9 000 personnes. Vas-y, on va rassembler 9 000 personnes. On va faire ça, je pense. Où est-ce que je mets tout, quoi? Je sais pas. Non, 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 vas-y. Allez, vas-y. 10 000. Qui dit mieux? Ok, le maître est arrivé. Je crois que c'était une femme. Hop, donc ça. Ah, lui, il est déjà en cours. Parce que les armées, ça nous coûte cher, hein. C'est pour ça que j'ai pas envie de tout donner. Enfin, nos armées personnelles ne coûtent rien, je crois. Ou alors c'est le contraire. Et les armées de nos vassaux nous coûtent de l'argent. Du coup, j'ai pas envie de trop non plus en faire. Hop, eux, ils vont nulle part. Donc, on va les démobiliser. Putain, on a beaucoup d'armées, par contre. Toi, tu vas nulle part, toi. On va te démobiliser aussi. Tous les autres sont en mouvement. Bon, on va les faire aller en mouvement, au pire. Hein. Allez, tous les autres, on va là. Je vais pas avancer, normalement j'avance un peu plus le temps au maximum dès que c'est des guerres comme ça. Là ce qu'il faut qu'on fasse, ce que Stannis doit faire c'est rusher directement Port Landing quoi. Port Landing. Oh il y a un stack de 15 000 personnes là-bas. Ah ça va être chaud. Ça va être chaud, hein. J'aurais peut-être dû amener toute ma clique. Parce que là ça va être risqué, ça va être chaud. Quoique il a combien de personnes là? Il a 8 000 plus 1 000, ouais ça devrait le faire. Voilà. Le problème c'est le nord en fait, regardez. C'est le territoire le plus grand de cette couronne. Par rapport à tous les pays. À peine le nord prend à peine quasiment tous les autres royaumes. Regardez le temps qu'ils mettent à se déplacer, c'est. Oh là là, ils se sont fait tabasser là-bas. Ah, c'est terrible, putain ça va pas le faire, ça va être chaud, il faut qu'ils se cassent là. Ah ils continuent d'avancer, ils vont se faire. Ah non, il faut pas qu'il perde, hein, franchement, parce que s'il perd, c'est sûr que le Lannister va nous demander
Le Lannister va nous demander de lâcher le Nord, hein, je pense. Hein. Et après, il va falloir partir en guerre solo contre eux. Ça va être dur, hein. Ça va être très dur. Là, on a intérêt à ce qu'il gagne. Donc, on va tout faire pour qu'il gagne. Est-ce qu'on rush? Ah, c'est quoi ça? Ok, ah, c'est bon, ça a marché. Notre vassal qui nous aimait pas trop, il s'entend bien avec nous, donc c'est cool. Là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va... Oh, mais pourquoi il court dans le tas, quoi? Fais pas ça! Ah! Attendez, attendez, attendez. Petite pause. Ouais, non, pas besoin. Attendez, attendez. Non, pardon. Excusez-moi. Ok, donc. Ouais, non, je pensais qu'on avait des alliés, mais non, en fait, non. Ah non, on n'a pas d'alliés, hein. C'est la merde. Ok, on a un stack de 10 000 ici. On va aller aider nos petits compagnons d'armes là. On va aller essayer de péter la gueule à ce stack. Qui je. Voilà, vous voyez. Hop, tout ça donne des bonus. Ça donnerait plus de bonus si moi je me joignais à eux, mais. Non, je vais plutôt mettre tous les meilleurs. Hop. Hop. Ça fait. Hop, 20, 20, 19. Il y en a un autre qui a 20, ouais, c'est moi. Ah, j'ai un peu peur de mettre mon duc en 10. Ouais, tant pis. Oh. What the fuck? Oh, il y a un stack de 12 000 là. Ah, on va se faire manger. Je pense qu'on va se faire manger. Ils sont combien ici? On va se faire manger. Qu'est-ce qu'on doit faire là? Attends, il faut réfléchir. Est-ce que je... Ah putain, il y a déjà 100%. On va faire tout le chemin et il va dire avoir perdu. Ah ouais, non, mais il s'est fait prendre. Ah, il s'est fait prendre, il s'est fait prendre. Je pense que c'est foutu. Eh ouais. Ah putain, Stannis, tu déconnes. Nous avons perdu la guerre, nos armées ont été annihilées. Aïe 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 aïe. Tu déconnes, Stannis. Du coup, là, si je l'ai. Ah non, c'est bon. Aucune escorte ne sera dissoute, ok. Attendez, qu'est-ce qui m'appartient du coup ici? Est-ce que j'ai récupéré le. Ah non, c'est direct. Donc, on est rentré dans le trône de fer. Stannis a perdu sa guerre. John Stark, le roi a décidé de se montrer miséricordieux malgré notre trahison. Vous serez autorisé à retourner sur vos terres sans aucun mal ne vous soit fait et vous devez vous engager à maintenir la paix du roi. Pour garantir son engagement, c'est le jugement. Ah, c'est bon, Tommen il a décidé de nous laisser le nord. C'est gentil. Que la paix soit avec vous. Pour être mon régent. Ah, il m'a capturé! Oh non! Ah, mais il m'a mis en taule! Ah non, Tommen, là, t'as. Non, putain, non! Tommen, pourquoi tu me fais ça? Miséricordieux, il a dit, wesh. Comment je peux faire un descendant si je suis en taule? Aïe, 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 ils sont en guerre contre qui? Oh putain, je vais devoir partir en guerre, hein, j'ai pas le choix. Hein. Je vais devoir partir en guerre, là. Ah, je peux pas avoir d'ambition vu que je suis prisonnier et tout. Je peux plus avoir d'ambition à avoir un fils, quoi. Ça c'est chiant. Je suis obligé de faire la guerre pour sortir. J'ai pas le choix. Est-ce que je peux lui demander de sortir? Demander de racheter un prisonnier. Je peux me racheter ou pas? Ah, il faut 250 pièces. Je les ai bientôt les pièces d'or. Est-ce que je me rachète ou je pars en guerre? Est-ce que j'envoie une petite insulte ottomane là? Je vois pas quoi ça sert ça. L'option envoyer une insulte. Salaud. Salaud. Oh là là, attends, il se passe des choses là. Calmez-vous, 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 calmez-vous. Arrêtez! Là, ils sont en train de. J'ai une chance de gagner. J'ai une chance de gagner. Attendez, on peut pas déclarer la guerre? Si nous avons levé Lost. Mais il est où mon Lost levé? C'est bon, je le désélève, c'est bon. Hop, et ensuite, est-ce qu'on peut déclarer la guerre maintenant? Pourquoi? Lors tu serais de. Ah, ne doit pas être emprisonné. Putain. Ah, mais je suis obligé d'attendre d'avoir assez d'argent du coup pour me racheter. Aïe. D'ailleurs, vous savez, dans la série, ils se font passer pour des. Allez, voilà, les mariés à la Margerie Tyrell. Ils se font passer pour des Baratheons, ils se font appeler Tommen Baratheon, et là dans le jeu, direct, ils ont le blason de Lannister. Enfin, du coup, je sais pas, ça doit être officiel qu'ils sont des fruits de l'inceste. Je sais pas. C'est un tyran, Tommen.
Non. Est-ce que Myrcella est toujours vivante? Ouais. C'est juste le Geoffrey qui est mort. Est-ce qu'il y a eu des morts dans les grandes familles? Non, j'ai pas l'impression. Bon, là, je vais être obligé d'attendre de payer ma rançon. Hein. J'ai pas le choix. Oh, Lady Sherin. C'est la fille de Stannis. Stannis, il est où alors? Il a été tué? Ah non, il est là, mais il fait plus rien. Ah, il était envoyé à la garde de nuit. Maître d'armes de la garde de nuit. Oh, le con. Le con, merde. Putain, la garde de nuit, il y a du beau monde. Hein. Il y a Theon Greyjoy. Voilà, il se passe des choses là. Calmez-vous, calmez-vous. Attendez, attendez, attendez. Lady Sansa, attendez, attendez, attendez. Je crois qu'il y a une guerre interne dans mon... au nord déjà, non? Ouais, il y a déjà une guerre interne au nord. Ah, je fais vassaux direct comme ça, voilà, je vois le nord. Donc, ça, c'est ce que je possède, le nord. Le pont qui est indépendant. Enfin, indépendant, ouais, moi aussi qui est indépendant. Ouais, les Lannisters sont trop puissants, t'as les terres de l'ouest avec eux. Qui c'est qui a récupéré les terres de l'orage du coup? Ah, c'est la fille quand même, c'est Sherin. C'est la fille de Stannis. Enfin non, c'est Tommen qui a récupéré le... Les... Tommen, il a les conflans. Attendez, petite sauvegarde. On va bientôt pouvoir se racheter. Tommen, il a les conflans, les terres de l'orage et le trône de fer. Oh, il y a trop de monde là. En plus, il est marié au Tyrell. Du coup, il a une alliance avec les Tyrell, avec le Beef. Oh, il est trop puissant là, ce stade-là. Il est trop puissant. Il est trop puissant. Notre seule chance, c'est de le rusher, Port-Réal et lui mettre la main dessus, quoi. C'est la seule chance qu'on a. Je vais voir un peu ce qui se passe du côté de Daenerys. Est-ce qu'elle s'est mariée, Daenerys? Toujours pas. Est-ce que je peux la proposer? Ah ouais, mais non, mais je peux plus marier avec elle. J'ai déjà une femme. J'ai déjà une femme. Dommage. Si on avait une alliée comme Daenerys, ça aurait fait plaisir. Ah, du coup, le fait que je sois enfermé, est-ce que les vassaux sont contents? Ah non. Qu'est-ce qu'il a, lui? Le titre de Grande Seigneurie de Fort Terreur. Pourquoi t'es qui? Le Whitey, il avait la Grande Seigneurie de Fort Terreur? Non, j'ai pas envie. Je vais pas les donner, quand même. Il est pas prétendant, si? Est-ce qu'il est prétendant? Il y a pas de prétendant. Non, je la garde. Je la garde, no way. Dans aucune façon, je lui donne un truc à lui. Ok, donc là, ça va se jouer maintenant. Faudrait peut-être que j'attende un peu parce que ça va nous coûter cher. Roi Tommen, hérité de la seigneurie de. Ouais. Brienne la Pucelle. C'est Brienne de Tars. Oh non, elle est morte. Au cours d'un combat singulier, Brienne. Non. Ça, c'est Brienne de Tars. Celle qui était la chevalier de. Qui a été avec le régicide. Et aussi avec Lady Caitlyn, tout ça. C'est ici, je crois, Tars. Non, là. C'est ici, je crois. Ouais, Tars. Ok, donc on a assez. Sauf que la guerre va nous coûter cher. Du coup, je sais pas si je dois... Bon, je pourrais emprunter, au pire. Hein. Là, je peux pas être prisonnier trop aussi longtemps. C'est pas possible. Tommen, tu vas me lâcher direct. Oh, il veut pas. Donc là, je suis censé faire quoi là? Je suis foutu. Il veut pas et je peux pas faire de guerre. Pourquoi? Oh non, pourquoi ça me fait ça? Merde. Putain, il veut pas me relâcher. Est-ce que vas-y, je vais envoyer des gens pour le tuer, moi. Ah non, mais sinon je suis en prison, je peux pas faire de complot. Putain, c'est la crise là, ce qui se passe. C'est vraiment la crise là. Il veut pas me relâcher, l'enfoiré. Putain, non, tu peux pas me faire ça. Je peux toujours pas faire d'ambition. Je peux pas faire. Il y a pas une ambition sortir du truc là. Sortir de prison ou quoi, non? Putain, l'enfoiré. Moi, je suis encore jeune, j'ai le temps d'avoir des gosses, mais putain, quand même. Je suis surnommé le Juste. John Stark le Juste. Ah, c'est cool, mais bon. Vas-y, relâche-moi, Tommen, sérieux. S'il te plaît. Allez, Tommen. Putain, il m'aime tellement pas. Il m'aime tellement pas que c'est mort. Faudrait que. Ah, je sais pas quoi faire. Ah, attendez, attendez, il se passe un truc. Mon vassal souhaite qu'un vassal de rang inférieur actuellement
Mon service. Passe sans autorité? Ok, pas de problème. J'ai dû récupérer un truc qui m'appartenait pas. Là, on a beaucoup d'argent, mais on peut rien en faire. Putain, Stanis, tu déconnes. Choisir son camp. Non. Aïe aïe aïe, putain. D'exécuter, ouais. Il fait de plus en plus froid. Winter is coming. Ah, attends, mais les White Walkers, ils sont où? Ils ont été chassés? Y a plus de White Walkers? Ah si, il y en a plus beaucoup par contre. Là, ils ont réussi, la garde de nuit a réussi à chasser les marcheurs blancs. Vas-y, est-ce que je vais améliorer mon château, je pense. Pour avoir plus d'argent. Bon, fortifié, c'est bien ça. Ah, mais du coup, je pourrais plus me proposer d'être changé. Contre de l'argent. Putain, j'ai 30 000 soldats à mes ordres. Ah, attends, il est en train de libérer des gens. Là. Il a libéré lui. Peut-être qu'il va me libérer. Hein. On sait jamais. S'il me libère, je vous le dis, on fait la guerre directe. On fait la guerre pour sortir du trône de fer et créer le royaume du Nord. Parce que là, on n'est pas des rois. En vrai, on n'est pas des rois. On est des grands seigneurs. On a des grandes. C'était des lords. Lords suzerains, je crois qu'on appelle ça comme ça. Attendez, il se passe quoi dans les factions? Loyaliste suzerain, bon non, là, il y a tout le monde qui va aller ça vers nous. Et par contre là, il y en a qui se battent pour Aegon. Aegon Dessos. C'est qui ce mec? Aegon, c'est un Targaryen ou... C'est peut-être le Targaryen qui est... Aïe. Aïe. Ah, je peux pas, je suis empoisonné. C'est peut-être le Targaryen qui est... Enfin, on parle souvent d'un Targaryen qui a échappé, Aegon qui a échappé au roi fou. Quand... Non, c'est qui a tué? Enfin, quand ils ont tué toute leur famille, les familles des Targaryens. Déposer le roi Tommen. Ça amènerait à quoi ça? De toute façon, je peux pas y rentrer. Ouais, je peux pas y rentrer tant que je suis en prison. Je peux rien faire de toute façon. Ah, il va pas me garder longtemps, je pense. J'espère pas. Par contre, il a beaucoup de... Non merde putain, chaque fois que je vois un message je me suis dit, ah putain c'est bon. C'est pour nous ça les gars, on va se faire sortir de toll, mais non. Meereen qui commence à s'agrandir un peu dans les Khalasar là, c'est en train de prendre des Khalasar. T'es toujours pas marié hein, tu veux pas m'aider Si seulement ma femme était enceinte. En plus, ça m'est déjà arrivé que par exemple je suis en prison et ma femme tombe enceinte et accouche. Alors que je suis en prison quoi, elle a jamais pu tomber enceinte. Et apparemment c'est vraiment mon fils, je sais pas comment c'est possible. Je sais pas comment s'en démerder. Genre la meuf est tombée enceinte sans que je sois là. Et après il me disait que je pouvais mener une enquête et tout pour savoir avec qui elle m'avait trompé et tout. Ah, troisième année qu'on passe. Allez, ça fait... Presque un an que je suis en toll là. Il s'agirait de grandir, Tommen. Hein. Pas... En plus, je lui ai rien fait, Tommen. Moi, je viens de la garde de nuit. J'ai même pas fait une bataille. Putain, comment il m'aime pas. Marjorie, tu m'aimes? Ouais, Marjorie, il m'aime pas non plus. À la mode. Fauconnier. C'est un habile intrigant. Enfin, c'est une habile intrigante. Le roi Tommen, c'est un cruel. Il a récupéré Pleur de Veuve là. Celle de Tywin Lannister. Putain, il faudrait qu'il meure ce mec. Hein. Il veut pas me lâcher. Attendez, opinion de Lord Suzerain John doit être approuvée par votre régent. D'accord, c'est qui mon régent déjà? C'est qui ce mec? Adolphe de Lenore. Maître séducteur. Cet homme est un tombeur et un débauché de renom qui laisse derrière lui une traînée de cœur brisé et d'enfants bâtards. Il a même pas de blaze. Il a aucune dynastie. Je crois que je peux les anoblir les mecs comme ça, non? Voilà, je peux l'anoblir pour qu'il crée sa propre dynastie. Bon, comme je suis en prison, je peux rien faire, bien sûr. Ah, je crois qu'Aegon est rentré dans les terres de l'orage pour récupérer les terres de l'orage.
Enfin, faut savoir que Stannis, il détient Père Dragon à la base, qui est ici, je crois, ça. Mais Père Dragon à la base, c'est le fief des. C'est le fief des. Oula, il s'est marié à qui? Attends, il s'est marié à un mec là, 36 ans. Il a aucune famille. Cela fait longtemps que je suis au service de Lady Jonelle. Non, t'as des. Oh, je m'en fous. Il faut savoir que Père Dragon là-bas c'est le fief des Targaryens. Et avant qu'Aegon fasse la grande conquête du Trône de Fer, il avait juste ça en fait, il était juste à Père Dragon. Et avec ses dragons, il a conquis les trônes. Enfin, le Trône de Fer. Il a réunifié toutes les couronnes. Sauf. Je crois que sauf, il n'y a que le. Comment il s'appelle déjà? Dorne. Il n'y a que Dorne qui a résisté, il me semble. Et c'est comme ça qu'ils ont créé le Trône de Fer, en partant de Père Dragon. Attendez, ne dites pas que là, il va falloir que j'attende que le mec meure, quand même. Putain, le gameplay de merde. Oh, le gameplay de merde. Putain, Stannis, je l'ai jamais vu gagner la bataille, Stannis. Ah, il y a le gameplay de merde. Ah, il y avait Brom. Soit qu'un vassal de rang inférieur, c'est qui? Un Karstark? Bon, on va dire que ça va. Ça, de toute façon, c'est pas des mecs qui doivent être à moi. Ils doivent être au service du duc dans le coin, donc c'est normal. C'est la tristesse là. Bon, déjà, on a fait. Le premier objectif, c'est de récupérer le Nord. De devenir John Stark et de récupérer le Nord. Donc ça c'est fait, maintenant il faudrait qu'on sorte de prison là, on sorte de prison, qu'on fasse un gosse, rapidement, et après essayer de se détacher du trône de fer, et convertir la foi des sept. Oh non! C'est pas vrai. Ah non, la foi des sept, ça veut dire qu'ils sont en train d'envahir mon... Non, pas les dynasties, je voulais pas montrer les dynasties, la foi c'est où, c'est ça? Non! Ils se sont convertis à la foi des sept. Traîtres. Oh, les traîtres. The winter is coming. Oh là là, putain, c'est triste, hein. C'est chiant qu'on je puisse rien faire, quoi, en étant en prison. Voilà, bon, j'ai limite envie que ma femme fasse un bâtard, hein. Comme ça moi j'aurais un dîner. Je le reconnais et j'aurai un descendant. Parce que là c'est chaud. Allez, on va retenter le coup dès qu'on a 250. On gagne 7 gold par mois. C'est plutôt pas mal. Il y a beaucoup de messages, vu que j'ai que ça à foutre, je vais les lire. Tommen, est-ce que tu... Ouais, il me déteste toujours, quoi. Foiré. Ça rend ouf qu'on puisse pas faire la guerre. J'ai bientôt les 250 pièces, on va tenter. Je sais pas si un jour le mec il va me lâcher comme ça tout seul, tranquille. T'es un Daenerys, tu veux pas le 32 fer, toi? Ah, Daenerys elle est en guerre avec tous les esclavagistes. Elle a pas que ça à foutre. Daenerys elle a des stats énormes. En plus elle a les dragons, chevaucheurs de dragons. C'est-à-dire qu'à chaque guerre elle peut déployer ses dragons et gagner la guerre comme ça. Genre elle peut gagner une guerre à 1000 contre 5000, une bataille, juste en déployant son dragon. Drogon. Et on peut avoir des quêtes comme ça aussi. On peut avoir des quêtes genre si on... Pour aller chercher un œuf de dragon, après on peut mourir pendant la quête, on va traverser la mer et tout. Mais c'est possible d'avoir un œuf de dragon, de trouver un dragon, d'avoir une épée, un acier valyrien, tout ça, dans des quêtes qu'on peut entreprendre. Mais moi du coup je l'ai, j'ai une épée en acier valyrien déjà, j'ai grand griffe. Par contre il n'y a plus l'épée glace, l'épée de mon père, des dards. Vu qu'elle a été coupée dans la série, elle a été fondue pour créer deux autres lames. Elle est surnommée l'indigne. Pourquoi que ça l'a fait? Je sais pas à quoi c'est dû les surnoms. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Allez, il a encore prisonné quelqu'un. Il a gagné une guerre. Il ne manque plus qu'une guerre. Peut-être qu'après une guerre, il va être gentil.
Ah, j'ai assez aussi, on va tenter. Allez, quatrième année. Quatrième année de crise. Allez, on va tenter. Là, tu vas vouloir, non? Putain, enfoiré! C'est un enfoiré! Et je peux même pas faire de complot pour le tuer et tout, quoi. C'est horrible. Ah! Attendez, attendez. J'ai hérité d'une seigneurie. Ah, je peux créer un titre. La seigneurie du clan des Nords. Attendez, attendez. Le trône de fer est en état de guerre. Tomène la licence, hein, parce que nous fournissons des hommes pour ces armées. On va essayer d'aller dans son sens. Hein. On veut qu'il nous dégage. Enfin, on veut qu'il nous libère. Donc, on va faire comme si on était avec lui. Hop, on va créer sa seigneurie, je pense. Hop, mais du coup, puisqu'on l'a créé, faut que je la donne à quelqu'un, je pense. Hop, la seigneurie, elle comprend quoi? Elle comprend tous ces gens, je crois. J'aimerais donner la seigneurie, parce que c'est pas à moi de la gérer, normalement. La seigneurie de... Ça, c'est quelle seigneurie, ça? Mais ça, c'est pas à moi de l'avoir non plus, normalement. J'ai rien à foutre, là. Mais y a pas de prétendant, en fait. Est-ce que la seigneurie de là, il y a des prétendants? Non? Putain. C'est la crise, là. Grande seigneurie du clan du Nord. Pas de prétendant? Je vais la donner à quelqu'un d'ici. Ou alors, je donne ce titre. Lande d'ombreuse. Je vais donner lande d'ombreuse. Je vais donner lande d'ombreuse. Pourquoi vous ne m'aimez pas, les amis? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais toi, tu veux la grande seigneurie du Fort Terreur, mais non. Voilà, eux, ils veulent le clan du Nord, donc on va pas faire ça. C'est pour ça qu'ils m'en veulent. Mais du coup, si je donne la seigneurie, ils seront plus à mes ordres directement et j'aurai plus à me soucier de leur colère. Donc on va aller dans ma cour. Il n'y a pas quelqu'un de gentil qui m'aime beaucoup. Doren. Ouais, il a des stats pas dingues. Hein. En plus, les mecs, ils sont pas mariés et tout, ils ont rien. Arnolf. Oh, c'est un grand intrigant. Maître séducteur. Allez, il va avoir des gosses. Allez, je vais lui filer, il est gentil. Attends, il a un truc. Maître. Ah, oh, c'est un maître. Personnage arbore la chaîne du maître de la citadelle. Ils peuvent se marier, ces mecs-là? Ah, vas-y, je vais pas mettre lui. Je vais pas mettre lui. La cour, un mec gentil. Toi, t'es gentil, toi? Oh, il a des stats dégueulasses, quoi. Oh, vas-y, c'est pas grave. On va accorder un titre foncier. Pas Winterfell, pas Fort Terreur. Pas ça. Hop, on va lui donner ça. Et du coup, le mec le plus réglo là-dedans, c'est qui? Lui, il est cruel. Jamais je lui donne un truc. Lui il m'aime beaucoup, donc ça va. Lui il m'aime pas du tout. Il est cruel, vas-y je vais le donner à lui, il est gentil. Hop, accorder titre foncier. Peut-être que je fais n'importe quoi, mais bon. Hop, grande seigneurie de clan du Nord. Voilà. Comme ça, dès que je regarde mes vassaux maintenant, tous ceux qui m'aimaient pas, ils y sont plus. Ça il faudrait que je m'en débarrasse aussi, parce que c'est pas moi. C'est pas moi de l'avoir. Donc c'est la colline des Troisonnés. La cour, est-ce qu'il y a un mec sympa là qui veut un petit. Qui veut un petit truc sympa là, toi. Bon allez, Doren. C'est dégueulasse, mais hop, encore des titres fonciers. Hop, ça c'est pas à moi de l'avoir. Je peux pas les donner? Ah, bah ouais, parce qu'il a aucune. Faut que je la noblisse avant, merde. Merde. Oh, je vais garder Fort Terreur, vas-y, je vais garder Fort Terreur. C'est le duché le plus important après Winterfell. Le laisser à quelqu'un, c'est pour avoir des risques, prendre des risques de. D'avoir une rébellion sur le dos. Allez, laisse-moi sortir. Allez. Il me déteste moins, j'ai l'impression. Voilà, moins 50, il me déteste moins. On va peut-être y arriver. Hein. Ah, attendez, c'est quoi ça? Revendication Bois de l'Est, c'est où? Ah bah non, ça vaut pas le coup, ça. Moi, je veux juste sortir de Toll, hein. C'est pas compliqué. Hein. Ça fait un moment qu'on joue en plus. À un moment qu'on joue alors qu'il se passe que dalle, ça va saouler tout le monde. On va arrêter là, je pense. Hein. Le chasseur, je pense qu'on va arrêter là. Hein. On va attendre encore un peu, on va monter un peu la vitesse du jeu, on va attendre la fin de l'année, voir ce qui se passe. Que la paix soit avec vous, j'ai eu un complot. Je cherche à acheter la loyauté, bon, ça je m'en.
J'ai plus de prise. Putain, j'ai beaucoup de menaces par contre. Hein. Bon, après, c'est 1%, c'est pas des menaces de ouf. Elle, par contre, elle commence à. Elle est en train de manigancer un truc là. Eh, elle veut me déposer. Ah, mais c'est une Karstark, c'était une copine normalement. Pourquoi tu fais ça? Elle veut me déposer. Non. C'est pas cool ça. De nouvelles parviennent du château noir. Lord commandant a écrit. Ah putain, là, ils veulent que j'aille aider les. Ils veulent que j'aille aider le château noir contre. C'est qui leur demande, Lord commandant? Denis, je connais pas. Ah, il y a un Karstark qui est l'héritier. Vassaux, est-ce qu'il y a des gens que vous connaissez là-dedans? Est-ce que je peux voir sa cour? Malister. Est-ce qu'il y a des petits copains là, des frérots? Des grands noms? Alistair Thorne, je crois que c'est Alistair, c'est le mec qui était dans la série. Samuel Tarly, toujours là. Fidèle au poste. Janos, ça me dit un truc, Janos. Stannis Baratheon, putain, tombe bien bas mon gars. Theon Greyjoy, toujours là. Et Garrett Tuttle, ça c'est. C'est dans le jeu Game of Thrones de Telltale Games. Il y a eu lui, Garrett Tuttle. Il va au nord du mur. Est-ce que les amis c'est les mêmes qu'il a? Ouais, non. Est-ce qu'on va aider Château Noir contre les White Walkers quoi? Bah, attention, je suis en prison, j'ai que ça à foutre. Hein. Je pense qu'on va les aider. Hein. Le Nord se doit d'aider la garde de nuit. Ils ont toujours aidé la garde de nuit, donc. Ouais, je pense qu'on va aller les aider. On va se quitter là-dessus. On va se quitter sur le choix d'aller les aider. Donc on va partir en guerre contre les White Walkers. Bah ouais, le stack de 14 000 là, il fait pas plaisir. Hein. Ah, il fait pas plaisir du tout. Hein. Bon, on va arrêter là pour cet épisode. Donc ce qui s'est passé rapidement, Stannis a gagné la guerre contre les Bolton pour avoir le Nord. Et il me l'a donné. Du coup, limite, je suis au-dessus de Stannis maintenant. Il m'a donné le Nord. Ensuite, on est parti en guerre. Enfin, il a continué sa guerre contre le Trône de Fer. J'ai même pas eu le temps d'aller l'aider, qu'il avait déjà perdu, vu que il est Père Dragon, son fief, a été pris d'assaut. Ah, Shireen, elle a bien grandi. Son fief a été pris d'assaut, du coup, son score de guerre a descendu, il a perdu la guerre. Tommen m'a laissé le Nord, mais m'a emprisonné, du coup, je peux rien faire du tout, je peux pas déclarer la guerre contre lui. J'ai essayé de payer ma rançon, ma caution, j'ai envie de dire, et il veut pas. Donc je suis obligé d'attendre dans les cachots, du coup j'ai décidé d'accepter la demande, l'appel à l'aide de la garde de nuit contre les White Walkers, contre les marcheurs blancs. On va aller les aider pour repousser les White Walkers. Au pire, si on arrive à les repousser, on pourra peut-être convertir le Nord, c'est possible. Hein. Si on fait des guerres contre les sauvageons, qu'on récupère les territoires, c'est possible d'agrandir le Nord sur le côté et de plus avoir de menaces au Nord. C'est un truc à voir aussi. On peut peut-être essayer ça. Après la garde de nuit, on peut pas y toucher, mais on peut peut-être essayer de d'avoir tout l'au-delà du mur qui devienne le nord. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire ensuite de ce qui s'est passé? Il s'est rien passé dans les grands pays, enfin dans les grands seigneuries. Tout le monde est toujours en place. Ouais, il y a rien à. Il est toujours pas marié lui. Ouais, il y a rien à dire sinon de ce côté-là. Petit coup d'œil sur Daenerys Targaryen. Ouh. Daenerys qui a récupéré Yunkai et Astapor, il me semble, ouais. Elle a gagné la guerre contre Yunkai et Astapor, elle s'arrête pas là, hein, elle continue. Putain, si je pouvais l'avoir comme femme, ce serait énorme. Mais bon, je peux pas, je suis déjà marié à la Sauvageonne. Donc voilà, je suis seigneur du Nord, mais en prison, Jon Stark. Stannis qui n'est plus rien maintenant, il est la garde de nuit avec Theon Greyjoy, avec des gens comme ça, qui ont été bannis. Et voilà, du coup, prochain épisode, on va essayer quoi? On va déjà défendre le mur. On va défendre le mur, on va essayer de repousser les White Walkers, pourquoi pas récupérer des territoires au-delà du mur. Et sinon, attendre qu'on soit libéré par Tommen. Et dès qu'on est libéré, de toute façon, on part en guerre directe. Et on va essayer de se détacher du Trône de Fer et de devenir roi du Nord, tout simplement. Comme notre frérot, Robb Stark, l'aurait voulu. Et voilà les objectifs pour le prochain épisode. Donc du coup, merci à tous d'avoir regardé. Je sais pas si je vais sortir la vidéo, ça se trouve le premier épisode aura pas plu du tout et vous verrez jamais celle-là. Mais en tout cas, si ça vous a plu, si vous voyez cette vidéo, c'est que la série vous plaît entre guillemets ou qu'elle plaît un petit peu. Et du coup, je vous en remercie parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup, même si je sais qu'il est difficile à suivre, que c'est compliqué et tout. Il y a plein de choses à connaître et tout.
Mais c'est vraiment un jeu bien et je me fais plaisir en y jouant, donc c'est cool. Et merci de le regarder. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce vert en commentaire, etc. Tout ça, la stratégie à adopter, pourquoi pas, si vous avez des idées sur ce qu'on devrait faire, si on devrait s'étendre là du mur, si on devrait partir directement en guerre qu'on est en train de faire, dites-moi tout ça. Et moi je vous remercie, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, bye tout le monde.